Yeah, but now you, yeah, but now you.
Maître Jésus, nous te louons. Totombolio na kati esika. Nous t'élèvons en ce lieu. Merci. Matondo. Notre roi. Mokonzi na biso. Les rois des rois. Mokonzi na bakonzi. Tu es tout pour nous. Ozanio sopo na biso. Merci papa. Merci père. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la première culte, merci pour cette deuxième culte. Merci pour le témoignage que nous avions entendu. Merci ce pour et pour ceux que nous entendons incessamment. Que toute la gloire te soit rendue. Pour tout ce que tu fais en ce lieu au milieu de nous. Sois loué à jamais. Nous sommes venus dans ta présence. Comme d'habitude. Au moment sano. Aujourd'hui, après le confinement pour la première fois. Nous sommes revenus après le confinement pour la première fois. Merci pour la présence. Merci Yahweh pour ta présence. Bénis notre rassemblement ce matin. Parle-nous. Simba biso. Touche-nous. Et nous gérons. Nous au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu maboko makasi. Beta maboko ya malonga. Alléluia. Nani azana esengo. Misu emonani lisusu betela Yesu maboko makasi. Milolo wana Alleluia. Amen. Et sincèrement, personnellement, na lingina pesa ba kuzimbote pona privilège yotozanango na mboka neti Nigeria et aussi Congo, les deux pays oyo baza munene na Afrique oyo aussi batu basambela kamingi ke ba pesi mibe kote ke 50 personnes neti Afrique du Sud et voisin na biso ici to pamboliza mpona privilège wana et tozana droit même. So qui te porte nous Isali, tous allons à balabala, parce que tous allons autorisation. Zambi apambola bango,
Et là, quand il s'agit de tout respecter les principes, les barrières, les mesures de distanciation, nous avons dit que tous et c'est ce qui est très important. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zambé, Natongo, alilo, ce matin, na yabibino na présence na ye, je vous accueille dans au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu. Et sans retarder na kolinga kokota na kati ya mateya ya lelo, j'aimerais rapidement entrer en plein de la prédication. Normalement, esengeleza la mokolo moko ya adoration, louange to kumisi zambe. Ce devrait être normalement un jour d'adoration, louer Dieu. Pour na kolaxa reconnaissance na biso envers lui. Denge to zongani li susu na sa présence na ye. Pour prouver notre reconnaissance de ce que nous sommes encore revenus une fois dans ces rassemblements fraternels dans sa mais, présence. Mais, et que très important aussi, il serait très important aussi de partager bilei ya molimo, que nous partagions du pain de vie. Surtout na tango oyo to komi, surtout en ces temps où nous sommes, pas seulement dans notre pays mais partout dans le monde. Kaka na mboka na biso awateka sina mokili mobimba. Denge na lakaki biso denge parole prophétique et bimi pona sans oyo ke esengeli chacun de nous abana ko sala régulièrement l'examination de soi-même, auto-examination, autocritique. Et tel que je vous avais parlé au travers de mes prédications passées à la télé, c'est notre mois d'examination de soi. Tout un chacun de nous doit commencer à examiner scrupuleusement sa vie. Parce qu'il y a deux choses que l'ennemi a visées. En temps de la fin, ton amour pour Dieu et ta foi. C'est deux choses. Et ça est visé na tango oyo de la fin. Ce sont des choses que l'ennemi est en train de viser en ces temps de la fin. Yango wana, voilà pourquoi esengeli chacun de nous, il faut que tout un chacun de nous, tout ça la auto-examination, il y a thermomètre, il y a bolingo na yo, na kondima na yo. Est-ce que zéa kukita ou me zéa kumata? Et nous fassions l'auto-examination de ta foi, est-ce qu'elle est abaissée ou élevée? Au moment de nous écouter les lois, baso prélever température na yo. Ce qui est matimingi au kotate. Amen. Mais dans ce contexte, il y a bolingo na kondima. Et sengeli température na yo, isa la nini ekita te. Et sengeli au contraire, isa la nini e mata. Parce que de ces deux choses, nous en avons besoin. Nous en avons vraiment besoin. Na marche na yo chrétien. Dans ta marche chrétienne. L'amour, bolingo, et la foi. Pekondima. Et c'est ce que l'ennemi est en train de combattre dans ces derniers temps. Yangone monguna zo bundisa makasi na tango oyo asuka. Tokomona yangona makomi. Nous le verrons de la Yesu Masia ye moko alobi. Jésus-Christ lui-même a dit, quand je serai de retour, tango ngai na kosonga, trouvera-t-il la foi sur la terre? Kondime kozala kaka na mokili awa. Point d'interrogation. Motuna. Côté où il y a l'amour de plusieurs sera refroidi. Et coquita deux choses. N'oublie pas. Même la Corinthienne Paul nous a fait comprendre que l'amour, la foi et l'espérance, le plus grand c'est quoi? L'amour. L'amour est primordial. Mais aussi la foi à sa place. Parce que sans la foi, on ne peut pas se plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas vivre la vie spirituelle que nous menons maintenant. C'est deux choses. Et à côté ennemi, azo bondisa na tango oyo. C'est
C'est le domaine que l'ennemi combat vraiment ces temps-ci. Voilà pourquoi ils ont singa. Voilà pourquoi c'est moutou na moutou. Que tout un chacun ami critiqué. Oui, s'auto-critiqué. À ça la auto-examination. Qu'il fasse l'auto-examen. Est-ce que je suis encore dans la voie? Est-ce que nous avons une question à condiment? Et tant que vous avez une auto-examination, auto-critique toi-même, au moment que vous échouez dans la thèse, l'Ilobazambe a conseillé à l'obéir, faire quelque chose. Et quand tu mets cette auto-examination, tu constates que tu as échoué, la parole de Dieu nous recommande de faire quelque chose. Tant que vous avez 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Nous allons lire le livre de 2 Corinthiens. 13, verset 5. 2 Corinthiens 13, verset 5. Version d'Armi, je lis au nom de Jésus. Examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus-Christ est en vous? Oui. À moins que vous ne soyez des réprouvés. Comment on dit? Examinez-vous vous-même. Si vous êtes dans la foi. Est-ce que vous avez dit que vous avez sans communion fraternelle et belé kondima et kiti et velé prière, vie de prière, et qui est affecté et belé bolingo na bango pour nazambe et kiti. En ces temps-ci, par manque de communion fraternelle, nombreux ont perdu leur amour pour Dieu, nombreux ont failli dans leur foi. La parole de Dieu nous recommande de mener l'auto-examination. Si tu es encore dans la foi, ce que Zana nous a dit à Kondima, comportement est à Dengenin. Ton caractère. Est-ce qu'on a toujours na moi na zambe denge lobazambe lobi ou bien ils a opposé? Cela se conforme toujours à la façon dont la parole de Dieu décrit le chrétien ou cela se ça fait. C'est une responsabilité personnelle. Wana zali mosala ya yo moko. De chacun de nous. Ils a mosala ya moko na biso yemo. Alléluia. Amen. 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 Communauté chrétienne, examinez-vous. Et voyez si vous êtes réellement dans la foi. Examinez-vous et voyez si vous êtes réellement dans la foi. Dans la foi. Personne ne va le faire à ta place. Yo moko. C'est toi-même. Et tant que mon réponse, ce qui est négatif ou positif, toi-même, fais quelque chose. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, nous lisons la version message. Testez pour vous assurer que vous êtes solide dans la foi. Ne dérivez pas en prenant tout pour garantie. Faites des contrôles réguliers. Vous avez besoin des preuves des premières mains. Alléluia. Pas des simples prétendus que Jésus-Christ est en vous. Testez-les. Testez-les. Si vous échouez au test, faites quelque chose. Faites quelque chose. Examination, Zanini. C'est quoi l'examination? Consala check-up, il y a état spirituel. Faire le contrôle de ton état spirituel. Constat. Fais des constats. Mener des constats. Introspection. Osongi na kati na yo mitali malamu. Est-ce que nazana no na dengi nazo mener vie nazo mener? Est-ce que ebongi pona mwana nzambe? La vie que je mène est telle bonne pour un enfant de Dieu. Parce que la guerre de ces derniers temps, c'est d'attaquer ton amour et ta foi. Alléluia. Amen. Yango, Zambe azo le bénébiso, tout ça là, examination de soi-même. Voilà pourquoi Dieu nous parle que nous fassions l'examination de soi-même. Dans ce pays, la version message, on a lobby. Ce que vous échouez dans le test, faites quelque chose. Il y a des voisins, faites quelque chose. Faites quelque chose. Il y a des gens qui ont été élevés. Il y a des gens qui ont fait quelque chose. Faites quelque chose. Il y a des gens qui ont fait quelque chose. Faites quelque chose. Ceux qui ont été coupables, il y a des gens qui ont fait. Alléluia. Amen. Il faut que nous nous disions, à cela, quelque chose. Ah, papa. Lingala mon nouveau. Boko ba
Alléluia. Amen. Amen. C'est lui qui va à une certaine destination. Mais par contre, à Bungizela. Et quand il s'égare. Pour atteindre la destination, il doit faire demi-tour et retrouver le bon chemin. Nangonga oyona sambele mutu nyonso abunginzela yambango lui akozonga na nzela. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Ebele bakufi spirituellement. Nombreux sont morts spirituellement. Écoute, kokufa spirituellement ezala kana poisate. La mort spirituelle n'est pas soudaine. Malembe malembe. Elle est progressive. Pona nini? Pourquoi? Osalaka auto-examination. Tu ne mènes plus l'auto-examination. Si tu mènes l'auto-examination, parce que version cette version nous dit fais les contrôles réguliers. Mitalakatango nyonso. Mitalakatango nyonso. So chaque jour Mikolo nyonso me suis-je bien conduit, me suis-je bien conduit? Que je fais qui n'est pas bon? Miséricorde. Certes, c'est un Dieu de miséricorde. Changer. Réponds-toi. Zonganazé. Et reviens sur le droit chemin. Avant Ezala, trop tard. Avant qu'il ne soit tard. Parce que les signes de son retour, Ezo monana, namokile nabiso retour. Quand il disait la paix, et le fils de l'homme va apparaître. Alléluia. Amen. Et au côté, il y a discussion. Israël paix na ninwana yoswana ezako accompli parole prophétique. Et si vous suivez les actualités, vous verrez que ce sujet de paix est vraiment un sujet très important. On en parle presque partout dans toutes les nations aujourd'hui. Alléluia. Amen. Basi nebele zo la isaké bientôt. Nombreux signes nous montrent que bientôt le maître sera de retour. Mokonzi akozonga. Ezala makambo alobi na Apocalypse. Que soit ce qu'il a dit dans le livre d'Apocalypse. Na o etali marque de la bête. Concernant la marque de la bête. Cela s'accomplit tous les jours. Ce qu'on a vu. Na ya fond. Déjà information bibi lobi déjà ya fond paye ezoya. Et bibi. So tout cela ezotali sabiso ke makambo ezokende vers la fin. Voilà pourquoi moi na nzambe yoso il faut ça la nini. Auto-examination régulièrement. Chaque enfant de Dieu doit s'examiner régulièrement. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a deux choses, comme oui. Je disais. L'amour, Bolingo, et la foi. Bekondima. Nali totala na makomi. J'aimerais que nous lisions dans les Saintes Écritures. Luc 18, verset 1 à 8. Luc chapitre 18, verset 1 au verset 8e. Luc 18, verset 1er, version Darby. Et il leur dit aussi une parabole. Une parabole. Pour monter. Il leur dit aussi une parabole. Nalinga la parabole, les amis. L'ICC. Banani babeta ka l'ICC. Bayindo. Bayindo. Est-ce que ma commande est coco le bisavé loco? Banani babeta ka l'ICC. Ils ont au Koliba, na village, babeta ka biso. Eh? Ma cesse. C'est ça, en yes. Pluriel. Mais, hein. Azo beta biso. Ba étranger, ba ebi eloko wanati. Et ça, culture ya ba yindu. C'est la culture des Noirs. La plupart de l'histoire dans la parole de Dieu, ezo talisa histoire ya batu mwindu. Banan ba beta kake naturellement. Ba yindu. Amen. Qui provoque naturellement la foudre, ce sont les Noirs. Banila mama, Yesu abani parabosso, Yesu aza, tangwa yaki awazani ni. Mo
Moindo. Ah, l'obaye angome, tanga. Luc 18, verset 1er, version Darby. Et il leur dit aussi une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier et ne pas se lasser, disant. Voilà. Verset 2. Il y avait dans une ville un certain juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait pas les hommes. Verset 3. Et dans cette ville-là, il y avait une veuve et elle alla vers lui disant, « Venge-moi de mon adversaire. » Verset 4. Et il ne voulut pas pour un temps. Mais après cela, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne pas Dieu et que je ne respecte pas les hommes, néanmoins, verset 5, parce que cette veuve m'ennuie, je lui ferai justice de peur que, revenant sans cesse, elle ne me rompe la tête. » Verset 6, « Et le Seigneur dit, « Écoutez ce que dit le juge inique. » Verset 7, « Et Dieu ne ferait-il pas point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Et il use de patience avant d'intervenir pour eux. Verset 8. Verset 8. Je vous dis que bientôt il fera justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? Pourquoi cette parole? L'obasi mananga est déjà vu. Déjà vu. Oyebi azazambi oyo amona kasuka ya makambo kouta na ebande. Il est un Dieu qui voit la fin d'une chose dès son commencement. So asi amoni. Il avait déjà vu que makambo oyo que telle chose et kosalema s'accomplira. Konde mayabatu la foi de nombreuses personnes et kozala refroidi sera refroidi. Et ce qui a l'objet trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire, il faut pas événement, pas ma camomoko et salema, ou eko salanini, eko refroidi kondimaya batu. Et s'il a dit, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Ça veut dire, il y aura des événements qui arriveraient qui vont affecter la foi de nombreuses personnes. Kondimaya kita boete, ce qui est le komoko et salamite. La foi ne sera pas refroidie soudainement. Partout dans les morts, même dans le corps de Christ, mais toutes ces choses, Yesu asi amoni alobi yango esengeli tozala avisé pour e affecter biso te. Il y a même des choses qui se passent aujourd'hui dans le corps de Christ qui peuvent affecter ta foi parce que ce sont des scandales. Mais Jésus nous a déjà dit ces choses pour nous aviser afin que notre foi ne soit pas affectée. Chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Verset 1 jusqu'à 12. Matthieu chapitre 24, verset 1 jusqu'à 12. Verset 1er, version Darby. Et Jésus sortit et s'en alla du temple, et ses disciples s'approchèrent pour lui montrer le bâtiment du temple. Verset 2. Et il répondit, leur dit, ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous dis, il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jetée à bas. Verset 3. Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à lui en particulier disant, « Dis-nous quand ces choses auront lieu et quel sera le signe de ta venue et de la consommation du siècle. » Verset 4. « Et Jésus répondant leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Verset 5. « Car plusieurs viendront en mon nom disant, « Moi je suis le Christ. » Et ils séduiront plusieurs. Verset 6. Et vous entendrez parler des guerres et de bruits de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive. Mais la fin n'est pas encore. Verset 7. Car nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume. Et il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Verset 8. Mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Verset 9. Alors ils vous livreront pour être affligés et ils vous feront mourir.
Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Verset 10. Et alors plusieurs seront scandalisés. Plusieurs seront scandalisés. Yangozo mona scandale partout na contre Christ dans le monde. Amen. Maintenant, you attend qu'un enfant de Dieu avisé. Et Seigneur, il est bougé. En tant qu'enfant de Dieu avisé, tu ne dois pas être. Parce que Jésus m'a assis à prophétiser qui en goke makambo wana ekoya. Et Seigneur, il a affecté bolingo na yo na konti manayo Adam mukete. Mutuaza na connaissance ya eloko à cause de la bougeté. Est-ce que nazo te? Amen. Loba musakoli na yoki. Musakoli. Loba ekotingai. Ekotingai. Yango zomuna makamizo salima partout. Ce sont des choses bien organisées, orchestrées par le monde des ténèbres. Satana a si a préparé biloko wana yonso parce que il faut salima pour refroidir kondima ya batu. Ce sont des choses qui ont été élaborées, qui ont été planifiées dans le monde des ténèbres, car le diable sait qu'il doit faire pareille chose pour attaquer la foi. L'homme qui est bien avisé, et l'homme qui est bien avisé, rien ne peut ébranler sa foi et son amour. Parce qu'il sait. Voilà pourquoi la connaissance a sa place. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui se passent maintenant et qui vont se passer. Au cours qui contient mon que ce sont des jets de l'ennemi. Et ça, agenda, il y a ennemi. Alléluia. Tout est déjà écrit. Les lois au monde battent, basons coupent dans mon kili. Mais Yeshua l'obéit, c'est le diable qui vient voler, détruire et égorger, égorger, tuer. Soit assis à l'obéit en quête. Et qu'on s'allume. Ce n'est pas lui, c'est le diable. Esaïe était dans son boma, Satan dans son mémaliwa. Alléluia. Amen. So, ce sont des choses. Esaïe makambo, dengi tout ko tanga. Dès que nous venons de lire, bah événements. Ces événements-ci, et qu'ont affecté condima ya bato. Affecterait la foi de nombreuses personnes. Na bolingo ya bato. Ainsi que l'amour envers Dieu. Dengo si oyebi. Quand tu le sais d'avance. Qu'est-ce que tu vas faire? Oko salani. Tu préparer un. Conséquences. Écoute-moi, c'est le message des temps. C'est le message des temps. Sinon, ce qui était nombreux seront égarés. Otali oyo, otali na réseaux sociaux, otali na information. Eh, pasteur tel, église, makamboboye. Et qu'on affecte yo. Mais tant que si on yébi que les agents y a ennemi, on peut qui qu'on permette encore à ta moquette. Quand tu apprends par des réseaux sociaux, par tel ou tel autre média, qui apparaît chose qui arrive, mais quand tu connais déjà ces choses d'avance, tu ne seras pas. C'est ça, maman. Verset 10. Et alors plusieurs seront scandalisés et se livreront l'un l'autre. Et se haïront l'un l'autre. Verset 11. Et plusieurs faux prophètes se lèveront et en séduiront plusieurs. Plusieurs faux prophètes se lèveront et en séduiront plusieurs. Et comment ils sont? Basapé ibélé. Ils sont nombreux. Yé moko abongisi bango et atindi mango na katia. Hein? Corps du Christ. Lui-même, le diable les a préparés et les a envoyés pour infiltrer les corps du Christ. Parce que guerre est à quoi tu fais bolingo na kondima yabatu. Parce que sa guerre est visée contre la foi et l'amour envers Dieu. Omona bazo beta masolo boye oya sal boye oya sal. Mais il faut y baké. Bible est solobi makomie solobi makamoyo swana eko salema. Y baké dans tout métier il y a des vrais, il y a des faux. Amen. Dans tout métier. Na mosala nyonso ba oyo ba yebi mosala ya malamu bazali kasi bato mabepe bazali. Yango mwana nzambe yonso il faut être très bien avisé. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu doit être très bien avisé. Là où il y a la connaissance, il n'aura pas la destruction. Et si que boyebi ezali ko bebisa mekozala te. Parce que miso efungwami. Parce que les yeux sont oyebi. Tu sais. Oza embralete. Tu n'es pas ébranlé. Alléluia. Amen. Voilà. C'est lui ça. Verset 11. 11. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs. Verset 12. Et parce que l'iniquité prévaudra,
L'amour de plusieurs sera refroidi. À cause de l'iniquité, l'amour de plusieurs sera refroidi. Bona makambo ya mabeko salema na mokili. Alobi bolingo ya bato mingi ekokita. Alléluia. Amen. Piska ennemi azokende yango wana. C'est là où l'ennemi est en train d'aller. Déjà il s'est bandit. Ça a déjà commencé. Alléluia. Amen. Voilà. Yango, il faut aller aviser. Voilà pourquoi vous devez être préparé en conséquence. Que tu te prépares en conséquence. Si tu sali auto-examination. Si tu mets l'auto-examination. Et au moment que tu as échoué dans le test. Je vois que tu as échoué au test. Allo Bénini. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Salali kambo moko pona to beteli Yesu maboko makasi. On acclame fortement le Seigneur Jésus. Lingala, verset 9. Natango wana bakobanda koteka bino pona kokomisa pona komonisa bino pasi pe koboma bino bikolo nyoso ekozala koina bino pona kombo na ngai 10 na mikolo wana bato mingi bakosundola bondimi bakobanda koteka na pe koinana 11 ba prophète ebele bato mingi bakosundola nini bondimi voilà 11 Ba prophète ebele ya lokuta ba kopima pe kokosa bato mingi 12 voilà. So ébougé yoté. Que cela ne puisse pas te yoté. Que tu ne sois pas affecté. Parce que prophète té akufa kipona yo na ekulusu. Parce que aucun prophète Yesu masi ande akufa kipona yo na ekulusu. Seul Jésus est mort pour toi. Alléluia. Amen. Aha. Lokola makambo ya mabe ekoleka bolingo ya bato ebele pe ekosila. Alléluia. Voilà. Yango wana, voilà pourquoi il faut toyeba. Il faut que nous sachions biloko wana avant. Ces choses d'avance. Et on préparer en conséquence. Et se préparer en conséquence. Alléluia. Amen. C'est très important. Ezamotu ya mingi. Surtout na oyetali bolingo na yo na kondima na yo pona zambe. Surtout concernant ton amour envers Dieu ainsi que ta foi. Il est écrit et comme ami que c'est lui qui nous a donné son fils. Il n'a pas épanoui son fils. A prouvé raison, a coupé sa vie son yonso. Parce que a linga ki biso tant que tu yebi ekoutoute, a koufa ki pona biso na ekoulouso. Que celui qui n'a pas épargné son propre fils, qu'est-ce qu'il va nous priver en union avec ce fils, car ce fils est mort pour nous à la croix. Romains chapitre 5 verset 8. Romains 5, verset 8, version Darby. Mais Dieu constate son amour à lui envers nous. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Tant que tu yébi et tu zo nage na katia masum. Quand nous nagions dans les péchés, akufa kipona biso. Il mourut pour nous. Alléluia. Amen. Bongo sikoyo. À plus forte raison aujourd'hui. Yango ndeko il obazambe lobi. La parole de Dieu dit Zambe lobi, j'aime ce qui m'aime. Ngai na linga kaba oyo balingi. Nan konga to komi. Le temps que nous avons atteint. Chacun de nous doit faire l'examination. Moto na moto senye la mitala de soi-même pour na ko mesurer thermomètre ya niveau degré ya kondima na yo na bolingo na yo. Watala esika nini kondima na ye na bolingo na ye pona nzambe ezali. Parce que loko ekobikisa yo na tango oyo eza kondima na yo na bolingo na yo pona nzambe. En ce temps si ce qui te sauvera c'est ta foi ainsi que ton amour envers Dieu. Parce que lui Beteye, comme ekomami awa tel qu'il est écrit mais Dieu constate son amour en lui envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs Christ est mort pour nous. C'est clair, alingio, indiscutable. Maintenant, yo, est-ce que olingie? C'est indiscutable que lui, il t'aime. Mais la question, c'est est-ce que toi, tu l'aimes tel qu'il t'aime? Parce que bitumba ya tango asuka. Parce que le combat du temps de la fin. Ça attaque kondimanayo na bolingonayo. Ça attaque ton amour envers Dieu et ta foi. Alléluia. Amen. Mais je suis ici pour te dire. Batu oyo balingiye. Ceux qui l'aiment. Et bandima kaye. Et qui croient en lui. Yosoeya. Advienne que pourra. Bitumba yosoe telema.
vent s'est barré, Dieu sera avec toi. Amen. Amen. Au nom de Christ Jésus. Yango efota la temps en temps au sali auto-examination. Bolingo nangai température ekiti ou emati. Kondima ekiti ou emati. Et ce que monique c'est négatif, fais quelque chose. Voilà pourquoi il faut de temps en temps jauger le niveau de ton amour envers Dieu et le niveau de ta foi. Et s'il y a un problème, tu dois faire quelque chose. Danga papa. Lingala, verset 8. Kasi nzambe alakisi te alingi biso mingi penza. Pamba te, Christo akufa kipo na biso, tango tozala kinano bato ya masumu. Oui. Akufa kipo na biso, tango tozali nanu batu ya masumu. Mesiko, eske toza batu ya masumu? Te. So, esengeli biso pe, bolingo na biso puna ye, e mata na degre. Parce que eloko yesu alobi mi bale, to tanyango, Matthieu 12, verset 24. Amen. Matthieu 24, verset 12. Et Luc 18, verset 8. Alobi, est-ce qu'on a trouvé foi? Côté Alobi, Kondima et Kozala, refroidi. De ce côté-là, dit la foi sera refroidie. Avec tout ce qui se passe dans Mokili. Le diable va combattre l'amour et la foi. Satan a kobundi sa bolingo pe kondima. Deux choses oyo. C'est deux choses. Il faut tout ça l'examination. Devons mener l'examen. Alléluia. Amen. Romains chapitre 8. Toujours dans le livre de Romains, cette fois-ci dans le chapitre 8. Tout dit, verset 32. Nous allons lire Romains chapitre 8 au 32e verset. Verset 32, version Darby. Celui même qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses avec lui? Alléluia. Amen. Amen. C'est lui même qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement toutes des choses, de toutes choses avec lui? Lui qui n'a pas même épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Est-ce la protection? Est-ce la protection il te donnera? Est-ce la provision à couper ça? La provision il te donnera. Na lobingo ngatozo komo yo. Le temps dans lequel et belé va qu'on vivre le mystère des corbeaux. Nombreux vivront le mystère des corbeaux. Amen, na yo bien tché. Amen. Et belé va qu'on vivre le mystère ya disparition ya Philippe. Amen. Transportation surnaturelle. Yes. Mais deux choses qui va jouer le rôle. Les deux choses qui vont jouer un rôle majeur. L'amour et la foi. Bolingo na kondima. Parole de vie. Parole de vie. Verset 32. Oui. Même à son fils, Dieu n'a pas évité la souffrance, mais il l'a livré pour nous tous. Voilà. Alors avec son fils, il va tout nous donner gratuitement. Alors avec son fils, il va tout nous donner gratuitement. Yango et Neko et Sengeli ont mesuré température ya mutima nayo. Bolingo nayo ponaye. Parce que nakolakisa yo bientôt ba oyo nyoso ba linga kiye et bandima kiye a sova ki bango na tango nyoso ya épreuve. Amen. Je vais te montrer bientôt que tous ceux qui l'ont cru et qui l'ont aimé, il les a sauvés dans les épreuves. Mokilike na sana bango. Il a prouvé au monde que je suis leur Dieu. Et il n'a pas changé. Yewa na bongwani na noté. J'ai dit il n'a pas changé. J'ai dit il n'a pas changé. Ce qui a sauvé qui bango a ko sauvé yo lelo. Si les a sauvés, il est sauvé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il n'a pas Nano abongwanite lingala mon nouveau. Oui. Moto oyo abomba ki kutu mwana na ete. Kasi akabaki epo bispo na biso nyoso. Pon
Mwana nini akopesa biso pe elongo na ye biloko mosusu nyonso na boboto penza. Alléluia. Biloko mosusu nyonso. Esa la protection, préservation. Tango batu bazo kufa à gauche à droite, yo ko kufa te. Amen. Tango likame zo komi la batu ko komi la yote. Amen. Alléluia. Amen. J'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment, ainsi dit l'Éternel. Dans Proverbe 8, verset 17, Alobiango. J'aime ceux qui m'aiment. Il a dit dans le Proverbe, chapitre 8, verset 17. Voilà ces trois juifs. Shadrach, Meshach, Abednego. Yes. Ils ont prouvé. Batalisi kondima na bangu na zame. Et leur foi. Voilà Daniel. Voyez Daniel. Atalisi kondima na na bolingo na alingi zambe na ye. Il a prouvé son amour et sa foi. Le temps de la preuve de l'église. Et Satan a visé bolingo na yo na kondima na yo. Le diable vise ton amour et ta foi. Dieu te les avait arrêtés. On l'a jeté dans la foule. Dieu a manifesté sa puissance. Bino. Bazali kolo libulu ya moto yango basimi mambo ba bwa kabango moto ebomi ba Shadrach Meshach Abednego moto balamoko ebomi ba mapinga tango ebomi bango likolo bana kati ya libulu normalement tango mutu azo sima yo moto se ebomi yo kozani okoya bakoyi na kati me lilo bazamba lobi. La parole de Dieu dit ata solo ya même pas le yokanite atena suki na bango. Yes. Pourquoi? Pourquoi? Baligi zambe. Il badimi zambe. Il prosonfie. Zambe. Nangonga oyo zambe nanga batela yo. Amen. Zambe nanga sa la distinction entre yo. Amen. Na baninga mususu. Amen. Alléluia. Amen. Et le kouana distinction moko salami tellement que roi Zalaki n'a choisi a changé loi. Il eut distinction tellement que le roi n'avait point d'autre choix. Après ce mitindo, il a ordonné. Motuyon so assemblé le dieu de n'assembli il parcolami ngolu oyezali kolo ya Shadrach Meshach na Abednego ela tabino na tongo alelo. Amen. À cause il y a trois hommes. À cause de ces trois hommes. À cause il y a trois hommes. À cause de ces trois hébreux. Balengizambe na bango. Qui aimaient leur Dieu. Alléluia. Amen. Olio moto etumba bango etumbi batu ebomi sur place sur place. Et bomi batu bayeko poaka bango na kati. Au lieu que le feu puisse les consumer, mais cela consumait les militaires qui les avaient touchés pour les jeter dans la fournaise. Alléluia. Parce que lui-même Dieu, il est le feu dévorant. Peteye mo konza bazali moto etumbaka penza. Tangwaye. Quand il est venu. Na bango. Moto ezana chwate ifwa kanga monokonae. Ce feu n'avait point de choix que de se retenir. Mwe amela bango. Il ne pouvait pas les consumer. Moussousou Daniel. Un autre, il s'appelle Daniel. On a planifié pour le jeter dans la fosse. La fosse au lion. Le lion a retenu sa gueule. Mon conseiller. Amen. Daniel. Daniel, tu es comme. Oui, je suis là. Oh, bon bibi, ça y est. Namukuse, batuyoso ba comploter contre ye, bango ba kene, bazui bango, na basi na bango, na. Lilo bazambe lobi boye. Avant bango, avant même, ba komanase, qu'il n'atteigne les fonds,
Les lions se firent maître d'eux et les brisèrent les eaux. A sali différence. Il a marqué la différence. Pourquoi? Ils ont cru en leur Dieu et ils aimaient leur Dieu. Toute personne qui Dieu ne va pas le Voilà pourquoi Esa et Loko mi balé l'ennemi azo bondisa na tango oyo. Voilà maintenant, pourquoi c'est deux choses que l'ennemi combat en ces temps. Écoute-moi, je te parle prophétiquement. Je suis dans mon office prophétique. Le temps, Le Dieu de la différence est encore vivant. Alléluia. Yango ndeko, jour moko sala, contrôle régulier. Il faut faire un contrôle régulier. Pour voir. Si tu es encore dans la foi. Pour voir. C'est la température. De ton amour. Pour ta foi. Pour ton dima. Et c'est Kiti. Est-il rabaissé? Ou bien les alicolo. Ou elle est haute. Ce qui est négatif, fais quelque chose. Tangilanga le susu. Est-ce que vous pouvez pas m'oublier na tchongale? Amen. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. O tangi malembe, koki mate. Nous lisons la version message. Oui. Testez pour vous assurer que vous êtes solide dans la foi. Testez. Testez pour vous assurer si vous êtes encore dans la foi. Testez pour vous assurer que vous êtes solide dans la foi. Solide dans la foi. Ne dérivez pas en prenant tout pour garantie. Faites des contrôles réguliers. Faites des quoi? Des contrôles réguliers. Est-ce que vous pouvez répéter ce matin? Faites des contrôles réguliers. Tala à gauche, j'ai fait des contrôles réguliers. Faites des contrôles réguliers. Tala à droite, j'ai besoin faites des contrôles réguliers. Faites des contrôles réguliers. C'est pour ton bien-être. C'est pour mon bien-être. Dieu est plus que réel. Mais puis on est toujours limité, ma bokonaï. C'est nous qui limitons sa main. Ceux qui toujours tambolaté na katia principe. Si nous ne marchons pas dans les principes, nous handicapons. Nous l'empêchons. T'as l'exemple yaba tu n'as pas su dégazambe abimi si muscle naie pour na kotali sa mokilike bazayangai. Voyez ces hommes que j'ai cités, comment Dieu a montré sa puissance pour démontrer qu'ils étaient siens. Vous voyez que c'est effrayant. Et l'engi saka. Vous savez, vous voyez, ça m'a bien gagné à Kende. En tout cas, au moins, il y a bien gagné. Bangonde, Bakoufi. Santé qui sont. Liboson. Avant. Mais tu manques au Bakwaki et le côté. Mais les trois qu'on a jetés. Non, nous craignons ces dieux-là. Alléluia. Amen. Toutes ces choses sont écrites pour nous servir à tant que. Alléluia. Amen. Faites des contrôles réguliers. Faites des contrôles réguliers. Vous avez besoin des preuves de première main. Pas des simples prétendus que Jésus-Christ est en vous. Testez-les. Et si vous échouez au test, faites quelque chose. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Encore. Faites quelque chose. Il t'aime, il m'aime. Yanguna Romains chapitre 8, verset 37 à 39, alobi. Voilà pourquoi il a dit dans Romains chapitre 8, verset 37 à 39. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Les Kamboata mon côté Kabolaïe. Que rien. Et l'autre mon côté. Rien. Et l'eau comme mon côté
et affecter bolingo na yo pour nazambe. Bete la Yesu maboko makasi. Affecte l'amour envers Dieu. Alléluia. Amen. Au contraire, bolingo na yo, il faut un matin. Par contre, ton amour doit encore s'élever plus haut. Parce que Zambe a lobi, j'aime ce qui. Parce que Dieu a dit na linga ka baye balingingai. Pona ye bolingo na ye pona yo, et ça déjà à 100%. Mais il y a yonde, il faut total. Son amour pour toi est déjà au top, mais c'est ton amour envers lui qui doit être revu. Alléluia. Amen. C'est lui qui n'a pas épané son fils unique. Non. Jamais. Non, il ne peut pas te priver de quelque chose. On lui dit protection à combattre là. Tu veux la protection? On lui dit préservation à préserver. La préservation. On lui dit distinction à distinguer. La distinction, il va te distinguer. Amen. Alléluia. Amen. Nangonga oyo batu musu bazo craquer. Mais nangongo yo mona bana nzambe bele nzambe azo pambola bango. Amen. Nazo yamba ba témoignage. Je reçois des témoignages. Musu mona ngana kora lobi tala avo confinement na koki lo côté mena tango ya tala na sombi mbalaka ta ya télévision muneni. Na sombi makaboboye na sali makabu na bi apo. Musu ndako. Nangonga oyo. En ces temps-ci. Ça devait être comme ça. Et Sengeli Ndez à la boye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sambo nangai. Ma prière. Sambo nangai asa la différent. Et mouna nana misu ya mokili. Na vi na bino na ngonga oyo. Amen. Tango likame ezo kome la batwe ko kome la yote. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu de surnaturel existe encore. Sambe ya makamu ici azana no na bomoi. Soki ozawa na ozola na mateya na tango ya confinement na lobiyoso. Efficacité de la parole. Na lobiyoso direction divine. Yes. Eli. Alaliza la tetango mboka mo mbazo la lanzala. Provision surnaturelle ezoya. Ngonga yango tokomi. L'heure a sonné. De vivre le mystère des lits de la provision surnaturelle. Na sambeli apatia meno. Okubanda ko vivre loboko mulayi a zambe na vie na yo. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Mais tala bolingo na yo na koni manen. Revois ton amour envers Dieu ainsi que ta foi. Sala autocritique. Mène l'autocritique. Parce que Proverbe 8 17. Parce que Proverbe 8, verset 17. Alors, j'aime ce qui m'aime. La parole de Dieu nous dit, Dieu dit, j'aime ce qui est-ce m'aime. Est-ce que vous avez dit ça? Vous avez 18. Voilà. Proverbe 8, 18. Proverbe 8, verset 17, version d'Arbi. J'aime ce qui m'aime. Et ceux qui me cherchent me trouveront. Ceux qui me cherchent me trouveront. Verset 18. Oui. Avec moi sont les richesses et les honneurs, les biens éclatants et la justice. Avec moi et quoi? Avec moi sont les richesses et les honneurs, les biens éclatants et la justice. Alléluia. Amen. Avec lui. Et à l'objet, j'aime ce qui. C'est lui ça, maman, continue. Verset 19. Mon fruit est meilleur que l'or fin, même que l'or pur, et mon revenu meilleur que l'argent choisi. Verset 20. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers du juste jugement. Verset 21. Pour faire hériter les biens réels à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Les biens réels, pour faire hériter les biens réels à ceux qui m'aiment. Pas les faux biens. Yes. Les faits, les biens réels. Yalukutate. Makambo ya solo solo ya bola mupenza. Alléluia. Amen. Dès que ba étouffé kondima na yo na bolingo na yo ba yike esili entre yo na zambe. Dès qu'on étouffe ton amour envers Dieu et ta foi, ils savent que c'est fini entre toi. Yango Yesu alobi, mission na ye, il vient voler, détruire et finalement égorger. Na comprends kate, ozo lukane ni pa Satana. Satana ata tomboli lelo. Mais souka ya mission na ye. Égorgement.
Même si le diable te lève aujourd'hui. Oui, bien, go. Jésus l'a déjà dit. Que cherchez-vous? S'il te donne deux choses à gauche, il va retirer quatre choses à droite. Alléluia. Amen. Tu vas manquer de paix. Il n'y a que Jésus qui donne la joie. Il n'y a que Jésus qui donne la paix. Il n'y a que Jésus qui donne la paix. Tu vas dormir en paix, te réveiller en paix. Quoi que tu manges, tu auras la joie. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Lingala yalelo. Bato oyo balinga kangai ngai pe na linga kabango. Voilà. Ba oyo baluka kangai ba mona kangai. Ba mona kangai. 18. Ngai moto na pesa kabomengo pe lokumu. Biloko oyo umelaka pe bosembo. Makabo na ngai eleki or, ata or ya kitoko. Litomba na yango eleki argent ya kitoko koleka. 20. Nalandaka banzela ya bosembo pe ya solo. 21. Na pesa kabiloko na bato oyo balinga kangai. Na tondisa kabandako na bango na bomengo. Alléluia. So, booster ton amour pour Dieu. Booster ta foi pour Dieu. Matisse bolingo na yo pe tondima na yo pa na nzambe. Alléluia. Amen. Version français courant. Verset 17. Ceux qui m'aiment, je les aime en retour. En retour. Ceux qui me cherchent sont sûrs de me trouver. 18. J'offre la richesse et l'honneur, de biens stables et une prospérité méritée. 19. Mes dons sont préférables à l'or le plus fin. Leur profit est plus grand que l'argent le plus pur. Alléluia. 20. Je me trouve sur la route qui conduit à la justice, sur le chemin où l'on respecte le droit. 21. Là, j'assure des biens à ceux qui m'aiment, j'ai rempli leur maison de trésors. De trésors. Alléluia. Amen. Yango ndeko. Bien-aimé. Et loko moko te. Que rien est affecté bolingo na yo na kondima na yo pour nazame. N'affecte ton amour et ta foi. Romains 8, 37 à 39 à l'obibongo totangi. Nous lisons le livre. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. La Bible de Dieu nous dit. Rien. Voilà. Romains 8, 37 jusqu'à 39. Tanga. Romains 8, verset 37. Version Darby. Oui. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus convaincants par celui qui nous a aimés. Yes. Verset 38. Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni choses présentes, ni choses à venir. Il y a des choses qui vont venir. Yes. Mais eningisa yote. Ça ne te brûle pas. Nayo qui amène, nayo bien te. Amen. Nous sommes déjà avisés. Ni choses présentes. Ni chose à venir, oui. Ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Alors, ni ce qui est en haut, passionne ses mains, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et loko mokote parce que dès que bazui bolingo na yo pona zambe kondima na yo pona zambe c'est fini. Alléluia. Amen. Nani apambola mina tongwa leo. Amen. Wapi ke soki o ligi mwa si. Quand tu aimes une femme. Yo moko na motema na yo. Toi-même dans ton cœur. Wapi ke o ligi mwa si wa. Tu sauras que tu aimes cette femme. Ce que l'ingi moi c'était oyebi na motem na yoke olingite. Moi c'est parce que l'ingi mo balité
ayibike alingite. Amen. Osomu, azala makinos makiyaji machi makolo makimutu nyoso eko kota yete parce que alingite. Mais soki alingi. Mais quand il aime. Sans makinos makinini alingi okaka. Sans maquillage, il t'aime seulement. Dengozabana oyibi na mutema na soki olingi zambe. Dans ton cœur, tel que tu es là, tu sais si tu aimes Dieu. Tu sais si cet amour est abaissé envers lui. C'est à toi d'allumer. Alléluia. Amen. Oui. Version mon nouveau. Oui. Au contraire, dans toutes ces choses, nous remportons une victoire complète. Alléluia. Grâce à celui qui nous a aimés. 38. Grâce à celui qui nous a aimés. Grâce à celui-là, nous remportons une victoire complète. Motuma kwa ganga naza molongi. Naza molongi. Kwa kile rive naza molongi. Naza molongi. Alléluia. Verset 38. Car je suis convaincu que ni la mort, yes, ni vie, yes, ni ange, oui, ni gouvernement, oui, ni chose présente, yes, ni chose à venir, yes, ni puissance, yes. Verset 39, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer dans l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Rien. Et l'autre côté. Nangonga oyo. En ces temps-ci. Position à moi dans Zambé, il faut être à la bongo. La position d'un enfant de Dieu. Les deux choses. Paul a lobby. Paul a dit. L'amour, la foi. Et l'espérance. L'espérance, le plus grand c'est l'amour. On lui a dit la foi. Amen. Il y a que deux choses. Sache que ces deux choses-là. Selon Maloba Yesu. Selon les paroles de Christ. Quand je serai de retour. Tant on a kozonga. Trouvera-t-il la foi? Qu'on dit mais kozala kaka na mokili. Emasite ya iniquité. Bote makama mabe. L'amour. Déplosé sera refroidi. Bolingo ya bato mingi. Et loko mibale wana, il faut ça la auto-examination. Omi assurer que eza a place. Il faut bien s'auto-examiner concernant ces deux choses, la foi et l'amour envers Dieu, s'assurer qu'elles sont en place. Soko lingi mutu, olingi. Quand tu aimes quelqu'un, tu es sûr que tu l'aimes, c'est sans forcer. Alléluia. Amen. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Finalement, tout clôturé. Tout tangi. Nous allons lire finalement. Na Esaïe 54, verset 10. Zambia talizoke, amour naye pona biso, eza inconditionnel. Yes. So, vous en avez le quoi, bangate. Yonde, la balle est dans ton camp. Tu n'as rien à craindre car Dieu nous a montré, prouvé que son amour envers nous est inconditionné, inamovible et la balle est dans notre camp. Esaïe 54, verset 10. Esaïe 54, verset 10, version Darby. Car les montagnes se retireraient et les collines seraient ébranlées, que ma bonté ne se retirerait pas d'avec toi et que mon alliance de paix ne serai pas ébranlé, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Bandela, maman. Verset 10. Car les montagnes se retireraient et les collines seraient ébranlées, que ma bonté ne se retirerait pas d'avec toi et que mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Alléluia. Amen. Alobi, selon Malobanaye, que les montants se retireraient et les collines seront ébranlées. Que ma bonté, c'est-à-dire mon amour, ne se retire pas d'avec toi. Et que mon alliance de paix
ne serai pas ébranlé, dit l'Éternel qui a compassion de toi. C'est-à-dire, à ta montagne, n'ingyoso, mais bolingo nanga ingana ashurebino. Amen. Même si les montagnes commencent à sauter, mais il nous assure que son amour pour tout un chacun de nous ne va pas changer. C'est lui qui te donne une telle garantie. Si tu élèves toi le degré de ton amour, alors j'aime ce qui m'aime. Alors bien aligné par Oba Lingingai. Neko. Tango. Likama ezo komi la badge. Pendant que les dangers arrivent, cela ne t'approchera pas. Le Dieu de Daniel à cause de la Zambé Nayo. Le Dieu de Daniel. Le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego à cause de la Zambé Nayo. Amen. À cause de la distinction, à côté de sa moquille, Nazana Oyo, ne touchez pas. Dès que tu es là, même si quelqu'un pense avant que tu es là, Joseph a ici bandé qu'on a eu. Vous avez pensé à me faire du mal, mais Dieu a changé. Salaboye. Salaboy. Zambe ya bongola bongola. Alléluia. Amen. Abalusiango. Il a changé. Zambe nangazo balusa chena vina yo. Amen. Nangongo ya zo balusa chena vina yo. Amen. Bolingo et condiment. L'amour et la foi. Tala Joseph. Voyez Joseph. Azana soutien ya motute. Il n'a le soutien de personne. Aza un simple bon. Un simple esclave. Esclave. Il ne connaît aucune relation. Mais il aime son tellement Dieu. Et tel qu'il aime son Dieu, il a refusé de pécher. C'est dame a tout fait. On a jeté Joseph. Lobazambe abalusije. Zambe abalusije. Naye ko sakola likolo na yo zambe na ngazo balusaje na vina yo. Amen. Azo balusaje na vina yo. Amen. Parce que Joseph a lingi zambe. Parce que Joseph aime Dieu. Yoka. Écoute-moi. Alobite ke oko subidrete babituma. Bituma ekoya. Les combats viennent. Mais ekolonga yote. Amen. Ekolonga yote. Amen. Ekolonga yote. Amen. Yesu amoni bituma, Daniel amoni bituma, Bashenya amoni bituma, mais elonga ki bangote. Et tous ont traversé des défis, mais ils n'ont pas été vaincus. Babimi molongi. Ils sont sortis tête haute. Et zaneti Joseph a bossani en prison. C'est comme si Joseph était oublié dans la prison. Tango Zambi a kobalu sage. Mais quand tu vas tourner les jeux. Ozala mwana Zambi za bien. Être enfant de Dieu c'est bien. Est-ce que Robert a l'abord pour le Rosalamo en Zambé? Alléluia! Rosalamo en Zambé, c'est bien. Être fond de Dieu, c'est très bon. Vous voyez que Joseph. C'est vrai que Joseph. Quand Zambé a baloussigé contre maman Wana. Contre cette dame. Moi, c'est un patron de Potiphar. Zambé a bénissé Joseph. C'est quoi? Amatissé Joseph. Numéro 12e de la pays. C'est-à-dire Joseph a commis ce patron, ya. Potiphar. Oui, mais que ce qui est bon dans Zambé, tu vois, que à Kokiko, à Yenan, à l'objet, Potiphar, Yaka, Namasinaio, à Tiamakolo, Nicolo, à Pot, à Tiamakolo, Nicolo, à Moisi, Yo Moisi, au Yébiké, Gaina, au Kosselinga, c'est que tu as menti à mon Moutou, Nayo, mais à Sali en côté, il ne l'a pas fait. Zambé a balouché, Dieu a tomboli Joseph. Yes. Na lobi zambe na ngazo palusaje na vina yo. Amen. Azo palusaje na vina yo. Amen. Joseph a tombwa mina mboka. Joseph était élevé dans le pays. Égypte. Le pays Égypte, un pays étranger. Alléluia. Amen. Tala zambe tozo servi. Voyez quel Dieu nous servons. Yango eloko mokote e affecté bolingo na yo.
que rien n'affecte ton amour, na kondima na yo, ainsi que ta foi. Na tango ya épreuve, au temps de l'épreuve, il sera là avec toi. Yeba ete akozala wane longo na yo. Est-ce que mutu moko apambolami? Amen. Soki upambolami ganga amen ya nzoto munene. Soki upambolami loba balusaje ya vinangai. Balusaje ya vinangai. Yenza ye balusaje ya vinangai. Balusaje ya vinangai. Kaka dengi olobi wana ezo sale manavina yo. Amen. Na lobi dengi olobi wana ezo sale manavina yo. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Il faut attendre pour nous clôturer. Natanga ou la première culte, mais il faut attendre. Romains 8, 28 à 30. Ngonganga c'est béti. Na lekisi 5 minutes. Ok, totangi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez apprendre la vie na tonga lelo? Quelqu'un est-il béni ce matin? Et le côté, et le côté est affecté pour l'ingonayo. Que rien n'affecte ton amour envers Dieu. Alléluia. Amen. Je dis à mon épouse, même si toi tu ne m'aimes pas, moi je t'aime. Elle est là, vous pouvez lui poser la question. Alléluia. Amen. Quoi qu'il arrive, moi je l'aime. Je l'aime expressément. Alléluia. Alléluia. Amen. Attends, au Benganangai na kokendete. Même si tu me changes, je ne partirai pas. Attends, Kiminga na kolanda yo ti na place aux autres. Wana. Alléluia. Amen. C'est ça l'amour. Bolingo za kende bongo. Maka mususu na réservé ako moyena ibyawezate. Alléluia. Amen. Ok, Mama Tanga. Romains 8, verset 28 à 30. Verset 28, version Darby. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Pour le bien de ceux qui font comment? Qui aiment Dieu. Linga Zambé. Linga, t'as l'exemple de Pécio Joseph, t'as là, il y a Daniel, t'as là, il y a Shedrach. Mais tu vois, on a l'ingé zambé et bandimie. Dans le cas, il y a épreuve. Dans l'épreuve, ils ont suscité leur foi. Et zambé a yoki si bango sonite. Et ce Dieu ne les a pas humiliés. Nango gao yoto komi zambé nanga ko yoki sa yo sonite. Na kombo na Yesu Masia. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble. Combien de choses? Toutes choses. Si on ne les avait pas jetés dans la fournaise, ils ne seraient pas élevés. Après cela, du plus bas niveau, ils ont été élevés. Dès que Christ a quitté le tombeau, Nous savons que toutes choses travaillent ensemble, pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Si, continuez. De ceux qui sont appelés selon son propos. Oui. Verset 29. Oui. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier né entre plusieurs frères. Merci. Verset 30. Oui. Et ceux qui les a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui l'a justifié, il les a aussi glorifiés. Yoka, okosuka kaka na kembo. Okotika la nasete, okosuka kaka na kembo. Amen. Na kombo na Yesu. Amen.
Linga Nzambe. Condition yangona linga ye. Linga Nzambe. Matisa bolingo na yo pona Nzambe. Ako desevoir yo. Alléluia. Ce que pambolami telema betela Yesu maboko makasi. Amen. J'aimerais que tu lèves tes mains, que tu puisses parler. Dis-lui, j'ai entendu ta voix ce matin. Et je reviens à toi. J'ai pris la décision ce matin de lever mon amour pour toi. Élève ta voix, commence à parler. Commence à lui parler. Mes obrazé katobo shikepene. Omiyebi. Tu te connais. Atamwasi na yo ayebi ote. Même si ta femme ne te connaît pas. Mobani na yo ayebi ote. Ton homme ne te connaît pas. Mais toi, tu te connais. Et ta dame spirituelle na yo. Lobela Nzambe. Parle à Dieu. Il est Dieu de miséricorde. Ayebi yo. Il te connaît. Tu ne peux pas te régler le kambo ya bolingo oyo devant lui. Règle cette affaire d'amour devant lui. Oh yes. Kota na alliance na ye. Conclue une alliance avec lui. Et quoi qu'il arrive. Atali kamoni ne kobia. Bolingo nangai. Mon amour. Pona yo. Pour toi. Eko kitate. Commence à parler avec lui. Majobra de Gabadaya. Azagedegedegedegedegedege boshi labaya. Thank you Jesus. Mazobro sadaya. Mon amour pour toi. Oh yes. In Jesus name. Amen. Papa, merci pour ta parole ce matin. Papa, matondo pona lyo banayo tongo ya lelo. Na confie bana na yo na minute oyo na maboko na yo. Je confie ton peuple entre tes saintes mains. Et ça chacun. Donne à tout un chacun. Ngolou, la grâce. Yako matissa. D'élever. Bolingo. L'amour. Bekondima na bango. Et leur foi. Surtout na ngonga oyo. Surtout en ce temps-ci. Na kombo na Yesu Masi. Au nom de Jésus-Christ. Et na sameli. Et je prie. Na siya atmosphère oyo. Dans cette atmosphère. Na minute oyo. En cet instant, que la puissance de Dieu te touche partout où tu es. Que la puissance de Dieu te traverse de la tête aux pieds. Même si tu souffres dans ton corps, je vous ai déjà prêché l'efficacité de la parole de Dieu. Parce que je savais, le temps arrive. Il n'aura pour que imposer les mains, mais l'iloba Nzambe ezalaka na limitation te. Moi côté le boko ezate que si la parole de Dieu ne connaît point de limitation. Fisikozali. Partout tu es. Na déclaré le boko ya Nzambe esimba yo. Que la main de Dieu te touche. Parole oyo ezopi makouta na etumbele oyo. Écoute la yo na nzoto. Que cette parole qui ne touche cette chair pénètre ton corps. Et na décrété le biko na yo. Je décrète ta guérison. Na minute oyo imposé le boko na yo na piska yo so ozoyo ka bien te. Maintenant point de contact. Impose ta main partout où tu as mal. Impose tes mains. Tu as liboko na yo ne sois pas distrait. Kobungisa makanisite. Ba ange lui azame bazo tambola. Les anges de Dieu sont en train d'opérer. Ba fonctionnaires spirituels bazako sala service. Les fonctionnaires spirituels sont en plein service. Papa, merci pour la visitation divine. Père, merci pour la visitation. Merci de toucher ton peuple l'un après l'autre. Tu as dit dans ta parole que toi tu confirmes et tu accomplis. Ni par la force, ni par la puissance. Mais par mon esprit. Mon pépé a moli mon sang. Que le souffle du Saint-Esprit et tout à na place aux années. Puisse souffler sur toi partout où tu es. Nazo souffler na micro. Et que je souffle sur ce micro. Mon pépé a moli mon sang. Que le souffle du Saint-Esprit et enveloppe yo. T'enveloppe. Yamba touche wana. Reçois cette touche. Yamba touche wana. Reçois cette touche.
sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Obungisa makanisi. La puissance de Dieu les a touchés. Yamba visitation. Reçois cette visitation. À ta maladie, ça n'a zotou. J'ordonne à cette maladie de disparaître. Je bannis tout mauvais esprit. Va-t'en au nom de Jésus. Libère ce corps. Libère Bango. Libère-les. Laisse-le aller. Laisse-le partir. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Na déclaré au Kangolami au Pikisami. Je déclare, tu es délivré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Natanga kana yo, natanga yangote. Que je cite ton cas ou non. La puissance du Saint-Esprit est en ces lieux. Yamba touche-moi. Reçois cette touche. Reçois cette visitation. Au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Problème à l'oreille, mon Dieu t'a guéri. Je déclare aujourd'hui, elle est libérée. À Kangolami, elle est libérée. À Kangolami, elle est libérée. À Kangolami, au nom de Jésus. Na Kombolayo. Natanga kana yo natanga ngote. Que le site en cas ou non. Obikisami pe au Kangolami. Tu es guéri et délivré. Au nom de Jésus. Na Kombolayo. Osawana osana problème ya estomac. Tu as un problème d'estomac. Zambenanga amoniyo. Mon Dieu t'a vu. Et abikisio. Et Osentaka malaise moko boye neti pilipili. Tu sens un malaise comme s'il y avait des pili. À l'intérieur. Na katina. O kangolami obikisami. Tu es guéri et délivré. Na lobi tout à l'heure problème ya litoi. Je disais un problème au niveau de l'oreille. Mon Dieu t'a guéri. Zambenanga abikisio. Yamba lobiko. Reçois la guérison. Courbature totale. Koba nzoto mobimba obikisami na kombo na Yesu Masia. Les douleurs généralisées, tu en es guéri au nom de Jésus. Natanga kana yo. Que je cite Natanga yangote. Ou non. Je te déclare guéri.
guéri au nom de Jésus. Je te déclare restauré au nom de Jésus. Yamba lobi konabo. Yamba délivrance na yo. Yamba lobi konayo. Na kombo na Yesu Masia. Tosambeli. Amen. 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 Le temps de témoignage. Petela Yesu maboko makasi. Maman Nabiso, Malonda Mabiala a écopé sa nzambe, merci. Ayena bébé naye, elle est en train de rendre grâce à Dieu. A ceux qui s'est mis à l'ibosso, elle a eu des complications, peu avortement et salimaki. Et Zemi Mbale est juste avortement involontaire et salimaki. A quel moment on a médecin par rapport à la difficulté à Zala Kinango, le médecin m'a montré que Zala Kinaka, il y a un myom, Zala Kipena kiste. Et notre maman, malgré ce qui n'est pas un médecin comme résultat, à l'emba qui l'a été avant confinement, a été mon amoussal en Zambé. L'ambassadeur de Christ a semblé la kiponaye. Et Dieu a fait grâce. Miom ba médecin, ben qui miom et balouki et comme bébé na bisoto ce monde. Est-ce que vous pouvez la Yesu Masia Mboko? Et ce n'est pas la première fois que tous ont témoignage Jaboué. Dans cet endroit, Nzambe a sala kaba chose toujours exceptionnelle. Souvent, on te bénit comme miom tokiste. Nzambe a comme ça en ba bébé. Il y a moi qui allons souvent précéder. Il y a que sala makambo oyo yo zone dimate. Qui te soit fait selon que tu crois. Amen. Amen. Et quelque chose de grave est passé. Pourquoi la Satana a zala kaba munguna et ma pamboli na biso. Lorsque maman Nzambe a pessié bébé oyo kitoko. Le lundi, le jour où elle a lit en bas, on est en dako. Moi, na a commis qu'au saigner makila. A comment mais ça makila le cola monte déjà le les canaba période. Et maman a biso malgré ma camono sur eux comme akiwana a paniqué quitté a recouru le mystère du royaume a eu une onction a bandit qu'au appliquer les colères moi na a bandit qu'au libérer ma parole et Nzambe a tout aussi qu'on dit manaye. Quelques temps après moi na n'est pas rétabli. Depuis ce jour, moi, je suis en bonne santé. Après ces hommes, merci. Voilà témoignage à l'Ibosso. Notre maman dit merci à Dieu pour les miracles extraordinaires. Après plusieurs problèmes de conception liés aux avortements, elle avait un myome que l'Éternel a transformé en ce bébé qu'elle tient entre ses mains. Et quelques temps après l'accouchement, il y avait des saignements, comme une femme qui présentait sa menstruation. Mais la maman n'a pas faibli par les mystères du royaume. Aujourd'hui, son enfant est guéri. Elle dit merci à l'Éternel. Et comment est-ce que c'est un bébé merveille? Deuxièmement, Azobe Chanza, mais merci. Papa, à outre le bélo, mon kawaka, na après confinement, on a vivre le mystère à Elie et à Corbeau. Et notre maman, Daddy, pendant le confinement, il était en train aussi de prêcher en ce sens. Alors, que malgré le temps, il est difficile, mais au cause de la visiter, Dieu te visitera comme a visité Elie et à Corbeau. Maman, Azobe Chanza, mais merci. Pendant que crise et Zalaki, ma camouza qui est compliqué, hier Nanda Kounaye, elle avait manqué de rien. Ça m'a promolié à Tim, à son ma provision, à son même télévision, à Sika, à son ma bloc belé, à Pessi. Ça me merci pour la visitation. Son second témoignage, elle dit merci à l'Éternel pour la provision surnaturelle. Continuez, Betela Yesu Masie, ma boko makasi. Te préciser, et ça m'a beaucoup après confinement. Amen. Maman Abisson Mado, Azopesa Nzambe et Adayo Samuel, merci. Parce que ça fait 20 ans passé à souffrir la visitation de Marie de Nuit. 20 ans. 20 ans, elle a souffert d'un problème de Marie de Nuit. Abi Bandara a dérangé tout le temps. Et en dehors, il y a un problème de Marie de Nuit. Le corps de Marie de Nuit, il y a un problème de problème sous-sous. Azala qui n'a sérieux problème, il y a mon congopasse. Autobengi, mot de dos. Donc, Azala qui prend Ngumbama, c'était toute une difficulté. Et récemment, dans le confinement, Ange Nzambe a visité qui est Nakati Andam. Permettez-moi de faire la parenthèse, mon gros. Souvent, quand on te le voit à Ange, pour quand c'était que Ange n'y a pas de papou. Il y a aussi ce qu'on appelle des anges humains. Ange, dans l'hébreu, est là qui est messager. C'est-à-dire toute personne qui vient au nom de Dieu est un ange pour toi. Et l'ambassadeur du Christ étant un ange de Dieu, dans la banane que ça là-bas tourne, n'attend confinement pour nous réconforter certaines personnes. Ayaki benanda ko ya maman nabiso. Et notre maman avait parlé à l'homme de Dieu. Papa, t'as la problème, t'as la problème. L'homme de Dieu avait prié pour lui.
Et tel que la Bible dit, béni soit le pas de celui qui apporte la bonne nouvelle. Juste après le départ à Monsen Nzambe, elle a été totalement délivrée, rétablie. Voilà pourquoi, à Pambole Nzambe, à Pambole Monsen Naye, Bethelaï et Soumassia Maman. Notre maman dit merci à l'Éternel pour la guérison surnaturelle. Elle était visitée par les maris des nuits. Elle avait aussi des douleurs atroces au niveau de son dos. Mais durant les services d'hospitalité, l'homme de Dieu l'avait visitée pour lui donner des provisions. Elle a fait part de ses problèmes. L'homme de Dieu a prié pour elle. Aujourd'hui, elle s'est complètement délivrée et dit grand merci au roi des rois. Alléluia. Maman Nabisso, comment on a eu maman Geneviève Kitoga. Abandé qu'on a l'abisso dans les bilili au travers de la télé, y a un autre passé un message. S'il vous plaît, yo oyo oye biba, ba maman l'abisso y a ba émission, panza sango, yebisa bandé quoi ya famille, yebisa tole kanaka sur YouTube, tole kanaka sur Molière, ba chaîne yoso tole kanaka. Pourquoi? Parce que Dieu peut visiter quelqu'un. A koki ko bota témoignage na via moutou, au travers y a information koki ko pesae. Maman abandé qu'on a l'abisso au travers de la télé. Elle avait souffert pendant 21 ans de douleur ya makolo, douleur ya makolo. Et na tuni bango est-ce que ezala ki problème ya rhumatisme, avec signe rhumatisme té. Mais ezala ki douleur moko, ezala ki indescriptible, pendant on comprendre, il n'arrivait pas à expliquer ça. Elle a souffert pendant longtemps na problème voilà. Et tant que bandi kolanda l'homme de Dieu à la télévision, a ébissé moi j'aimerais commencer à prier là-bas. Et c'est depuis le mois de juin 2019 na marathon na biso que maman a yagi na fibre. Et depuis lors, elle a commencé à voir l'homme de Dieu na télévision et participer avec nous dans la prière. Elle a même dit elle n'arrivait pas pour que à longwa to avana ki na salon a ki na toilette pour que atambola il faut assis ma mur pour que atambola c'était vraiment difficile pour nous. To pesora zola la poa baluka na metu ça qui tout un problème. Mais quand elle a commencé à suivre l'homme de Dieu, le Seigneur a commencé à faire un travail de fond en comble. A comme qu'on touchait et Bomoni a se déplacé depuis Sika Fanda Kiti et Sika Awa Yemoko. Dieu l'a totalement guéri. Yangwana Pesinza, mais merci. Mardi, Azoson Anabukavu, et elle est en train de rendre gloire à Dieu. Louange au Seigneur. Notre maman dit merci à l'Éternel pour la guérison surnaturelle depuis l'année 2019. Elle avait des douleurs atroces au niveau de ses jambes et elle a consulté les médecins. On a dit que ce n'était pas le rhumatisme. Mais aujourd'hui, elle dit merci à Dieu parce qu'elle suivait à la télé et elle a décidé de commencer à venir suivre l'homme de Dieu ici même depuis 2019. Aujourd'hui, elle est complètement guérie et elle dit grand merci au Dieu Tout-Puissant. Rapidement, notre papa François Mabungu, merci. François Mabungu, ici, Kazako, côté les mains, à Pepa Loboko. Et voilà, Yohana, papa a totalisé 70 ans d'âge. Il est toujours jeune, toujours élégant, toujours beau. Après ces hommes, merci. Azan a 70 ans d'âge. Alléluia. Notre papa a dit grand merci à l'Éternel parce qu'aujourd'hui, l'Éternel a permis de souffler sa 70e bougie. Il a 70 ans d'âge. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Continuez à mettre la Yesu Masia Maboko Makasi pendant que notre maman Azo les canaliboso. Notre maman Kombonaye, maman Elodie Betoko. Maman Elodie Betoko, Azo Pesa Nzambe, merci pour la visitation na vinaye. Azalaki na zemi et dans ma commune, na 8e mois, je crois par la grâce de Dieu, grossesse. Évolution, elle est normale, elle est tranquille. Mais tant que je suis en 8e mois, ma complication est au banda. Elle m'a dit, elle a connu un problème, comment on a un saignement, il y a un bloc à Makila. Et comment il y a dérangé la grossesse terriblement. Et comment on a un médecin, comme un hôpital, il y a un examen, le médecin, ils n'ont pas d'expression, il n'a pas de réponse na likambwana ezoko melaye. Et notre maman azonga kina na ndaku avec la foi, elle continuait à prier le Seigneur. Et comme na 9e mois, ba complication et koko mal sumakasi. Na ke na hôpital, mais dans sa conviction, en demain, elle voulait pas y aller, elle est restée à la maison. Elle a continué à croire. Et le 1er juin, pendant que tozala ki na mosala na Nzambe andako déclaré dans un confinement pour un marathon matin prophétique plutôt à Yakinabiso, à Zalakinabiso, à Téakéina, hôpital.
Et dans la comique, on a un médecin pour retenir par rapport à la difficulté au Azala Kinango. Et aboti par la grâce de Dieu, mais à Seigneur qui pensa ma casse. Et elle ne voulait pas que le médecin a perfusé parce qu'à mon avis, il y avait beaucoup de complications. Mais le médecin a insisté que non, il faut que tu perfuses. Tant que tu perfuses, maman Abisso, dès que kaka coûte à maquiller les autres, Abi a sentir le quoi et l'eau comme il y a bien été côté dans les autres directement à perdre connaissance. Et Abimi, elle m'a dit, elle est sortie de son corps. Elle a vu, Netoyo Karanaba témoignage, elle a vu Bato Bazale qui n'a qu'à sa salle. Entre autres, une de ses soeurs, il y a un département. Maman, dans le département, il y a un nettoyage. Ne connais pas comment c'est que Kota là est dans l'hôpital. À mon avis, il n'a pas de connaître Bazo là. Parce que Bane Konime, elle n'était plus là. À côté, il n'a qu'à comment. Mais Dieu a fait grâce. Ils ont continué à prier. Et vers 21h, à Yokozonga. Et Azale qui vraiment a difficulté à respirer. Bâtir Bazo pour pouler Mbopé. Finalement, Dieu a sali Ngolou à se rétablir. Mais témoignage n'est touché plus par rapport à service. Dans la voie de Bane, service. Notre maman a servi dans le département, il y a nettoyage. Et Azana Bande Konaye, Obayeba qui problème à Bande qu'on traversait. Et je me souviens, pendant le confinement, une fois, on était ici, et tout coup, qui problème, on était ensemble, on a prié pour la maman Abisso. Et ça fait une joie de la voir aujourd'hui. Dieu l'a rétabli. Quelques jours après, Abimi dans l'hôpital, na bébé Abisso, au Koki Kobetelaye Soumassia, Maboko Makasi. Notre maman dit merci à l'Éternel pour l'accouchement favorable. Bien qu'il y avait des problèmes, des complications, elle a même frôlé la mort. Mais par la grâce de Dieu, par l'intervention divine, elle est saine et sauve avec son enfant. Et dit grand merci au Dieu Tout-Puissant. Et le col à Satan a l'ingagosé pour s'accepter, vaincu. Tant à bout de moi, problème au souvenir, au tobengaka, baïbi, moi, na moutou. N'habite que le monde en français. Baïbi, moi, je suis tout. Et moi, j'ai vu une onction. Et maman a vu une onction. Elle a appliqué. Elle a continué à prier pour l'enfant. Et Dieu a guéri son enfant complètement. Bébé a en bonne santé. Et quelques temps après, il y avait un problème avec l'enfant au niveau de sa tête. Mais par l'application des mystères de royaume, en l'occurrence l'huile d'onction, l'enfant est surnaturellement guéri. Elle dit grand merci. Est-ce que ton kokiko bete la yesu maboko makasi? Acclame Jésus. Nani a pambola mina tomba lilo. Qui est béni ce matin? Zambé a pambola bino. Que Dieu vous bénisse. Lilo, c'est notre premier culte après retour à l'église. Et tu pamboli zambé, nayambi raboke, deuxième culte lisusu et débordé ti kuna. So, s'il vous plaît, nazo pesa ba communiquer oyo. Je vais donner ces quelques points. Toujours étudier les lots et à mesure de grâce. L'état pesbiso, toujours étudier de makamouzo tambola. Mais à partir des prochaines, na lingi ba paron yoso, ba pesa bana na bango aussi. L'air cache-né. Ça, c'est un. De deux, à partir du mercredi prochain, tout enfant qui ne portera pas les cache-né n'entrera pas. Amen. Parce qu'il faut tout l'endamé, Bengo et l'État. Numéro trois, au moment de la prédication, que tout le monde porte son cache-né. Mais en attendant la louange et tout cela, donc, qui coûte, misazambe, c'est numéro quatre. À la fin des cultes aujourd'hui, le département de sécurité et protocole tous en réunion à propos Yamakamboyo après culte et nazo longo la mesure wana contenu makamoto moni lelo on a ko gérer ba foule nazo senga tous les départements de sécurité protocole base à la présent na tous les deux cultes na yoki na banzi message wana ekei déjà ba chef de département bayoki ainsi aussi département ya comptage et aussi je crois département ya chorale aussi parce que dingi tozomona tozana besoin ba tu ba serviteur bazala pour ba maintenir
ordre na ba tous les documents na lina a lobalisus ke cute e komi deux fois chaque dimanche premier cute na 6h et deuxième cute na 9h et vendredi aussi cute e komi deux cute cute ya liboso 16h 16h30 cute ya mibale 18h30 à 20h cute ya liboso 16h 16h à 18h ya mibale 18h30 à 20h ba mama na biso oyo ba kende musalate ba kuya na cute ya 16h 16h30 ba tuna biso oyo ba kenda ka musala ba ya na cute ya 18h30 à 20h. Alléluia. Amen. Na ligi communiqué yo etambola parce que na tongo to moni ba inondation ya foule ici. Tozoze la parce que to éviter dengue 4 mois to éviter dengue kozala maintenant to moni yango peza to vivre yango. Yango wana mapanzi ba to ebele ba yebite ke il aura deuxième cute mais na kamwe ke deuxième cute pe eza plein à craquer. Wa. Ti kuna etoni balabala ikoni kuna libanda. So yango wana tozo senga ba département ya protocole na sécurité ba assister tous les documents na annulé ordre ya liboso ke ba chef ya département ba diffuser ba mususu ba ya na premier ba mususu non maintenant tous les documents passent à la po tout ko contrôler ba tu bo ba respecter ba mesures barrières. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je pense que vous êtes bénis ce matin. Alléluia. To beteli Yesu maboko makasi. Acclamons Jésus. Na lingi bébé, dengi tozo clôturer bébé Christ Liolia balexa eliboso bébé na biso Christ Liolia. Soki akoko ya liboso mama bizikani na za izamba. Beteli Yesu maboko makasi. Acclamons Jésus. Pendant que le couple Liolia passe pour la bénédiction du bébé, Christ Liolia. Et aussi, dernier nazo pamula bébé Christ Liolia, yoka communiqué au très important. To lobby ango na premier cute na bosani na deuxième cute barapelenga sikoyo. Cute ya liboso eza 6h. Dès que 30 minutes aux arrêta, c'est mieux oya na deuxième cute parce que to pesi mi beko na ba sécurité ba ko bloqué a partir ya balabala kuna okokota te yaka na deuxième cute 30 minutes retard oye na deuxième cute cute ya liboso ezo banana 16h amen 6h du matin dimanche so na 6h30 to ko kanga porte alléluia nyoso wana eza poto ko kako gérer ba foule Zambé apamolayo. De même aussi, na vendredi. 30 minutes après, cute bandi, ce qui est reta, ou assister na deuxième cute. Est-ce que tu yokani? Amen. Bosunga biso, tu respecte, ba mebe ko yonso, ya l'état. Alléluia. Amen. Ba distanciation, ba kachne, ainsi de suite, il faut tout respecter yonso wana. Que Dieu vous bénisse. Na lingi to sembula maboko na biso to pambula bébé Christ Liolia. Bénir le bébé Christ. Banako sambela na esprit. Commence à prier en esprit. Shombra de gabala baso zobro de gedi gabala gatos. Me jozo pro zagatu bakayata gabakata yate bedebe. Ma rosso pro di kapala gato bukoshke di kapura bashanta labaya. In Jesus name. Amen. Papa, merci pour na yonso ozo sala na kati na biso. Père, merci pour tout ce que tu fais au milieu tozo de mona na misu. Nous voyons de nos propres yeux. Et tozo yoka na sango. Et nous entendons que oza elongo na biso. Que tu es avec nous. Merci pour na bikamwa oyo to moni lelo na misu na biso. Merci pour ce miracle que nous voyons devant nous. Ma pamboli yonso ewuta kai pa na yo. Toute bénédiction vient de toi. Bébé Christ Liolia et Wuti Painayo. Le bébé Christ Liolia vient de toi. Lelo. Va pour aujourd'hui. Na dédié ye na maboko na yo. Je le dédie entre tes saintes mains. Na sengi. Je demande. Yo oyo pesi bénédiction yo. Toi qui as donné cette bénédiction. Atelaye. Garde-le. Na déclaré. Je te bénis na zela e pakolami oyo lelo. Je t'ai béni de par cette onction. Tu es béni. O pambolami. Parmi tes générations. Na ekeke na yo. Tu seras la tête. Cause à la moto
kasi mokila te. Tu seras en haut, ozali kolo, pas en bas. Na sete. Zambe na ngai oyo asala ka différence, asala différence na vie na yo. Que le Dieu qui marque la différence parmi de votre vie. Tes générations. Kati ekeke na yo. Puisque bazo tanga liwa. Là on cite la mort. Maladie. Les maladies. Accident. Les accidents. Akotanga kombo na yo. Ton nom ne sera pas cité. Na déclaré, tu seras une source de bénédiction na liboto yo. Ozali ziba ma bamboli. Je te bénis au nom de Jésus Christ de Nazareth. Na bamboli. Que la main de Dieu repose sur toi. Que cette onction soit un signe d'intouchabilité sur ta vie. Au nom de Jésus. Tu es lumière dans ce monde. Aucune ténèbre ne pourra te dominer. Bénis les parents. Maman, papa, tiquette le bouc na yo et reposer les colonnes à ma boue. Au nom de Jésus. Tosambeli. Amen. Amen. Totelemi biso banzo denge to beti la Yesu maboko makasi. Levons-nous tous. Biska ozali. Maboko wana penza ya solo eza ya Nzambe. So s'il vous plaît ko bosse na te. Soki oza 30 minutes retard depuis culte et bandi, c'est mieux. Ozela, atoko beta tu, ozeli puna deuxième culte. Alléluia, o esunga biso, zambe apambola bino. Totomboli maboko na biso likolo. Levons nos mains. Denge ozo kende. Dès que tu rentres. Na déclaré et na décrété que semaine na yo e pambola mi. Kopima na yo e pambola mi. Kosonga na yo e pambola mi. Na sambeli, comme il a dit dans sa parole, il nous comble de sa bénédiction chaque jour. Semaine oyo, chaque jour, on peut rater ma pamboli na yote. Toute bénédiction qui est attachée à ton nom et qui est échappée yote. N'a déclaré, on peut palper ango, on peut vivre ango, on peut simba ango au nom de Jésus. Dès que vous avez des présences, vous avez des longs, vous avez des zonga na témoignage. Na kombo na Yesu Masia to sambeli. Amen.